On a eu l'idée en fait de consigner l'ensemble des mesures que nous avons mises en place pour un guide sanitaire que l'on remet à chaque vacancier lorsqu'il arrive ici. On a rajouté un stock de masques ainsi qu'un flacon de gel hydroalcoolique. Les clients nous ont fait part de leur enthousiasme quant au fait que nous ayons mis en place ces mesures de sécurité. C'est beaucoup moins risqué de venir ici que d'aller faire ses courses dans un supermarché finalement, puisqu'il y a de l'espace. On porte les masques, on est en plein air, tout le monde respecte les règles, donc il n'y a pas de promiscuité. Ce qu'on nous a assuré, que les conditions optimales au niveau de la sécurité seraient respectées. On constate effectivement que sur place, les conditions sont optimales. Les chambres qui sont bien distribuées, les espaces, le parc, etc. très grand. La restauration qui est très bonne. Peut-être un peu trop copieuse, mais bon, on fait avec, on fera le régime après. Donc tout va bien. C'est la cinquième année qu'on se retrouve ensemble. Le cadre, le repos, la détente. Les amis. C'est un endroit où je me détends énormément, je me sens très bien. C'est un tout. Et j'espère pouvoir y revenir l'année prochaine. On y va avec la 11, deux moules frites, Didier. Et là, c'est mes 6. Je termine. On est parti du guide des bonnes pratiques en restauration collective. Et ensuite, on a changé nos produits, nos techniques, suivant les difficultés qu'on rencontrait par rapport au Covid. Non, ce qui est en plus, c'est le masque. Déjà, tout ça, on l'a en temps normal. Non, mais je pense que c'est pour la bonne cause. C'est pour nos bénéficiaires surtout et pour nous. Donc, Et celui-là, pour toutes les surfaces, les poignées de porte, les tables, les buffets, les chaises. Ils sont tous virusines, nos produits. Entre chaque table, nous avons un mètre. Donc les tables sont fixes, les clients s'installent, normalement, sans toucher aux autres tables. Madame, je vous ai dit. Une orange ? Ensuite. Merci. Voilà pour vous, madame. La spécialité bretonne, on vient goûter ici, on n'hésite pas. Hein. Bon beurre de barade, du bon sucre de canne, tout en bio dans mes gâteaux. Elle est là, la spécialité. J'ai tout apprécié, moi. J'ai tout apprécié. J'ai trouvé que le centre était magnifique, que le personnel était... Alors, admirable, je n'ai rien à dire, de mal, tout est bien. Donc il faut profiter, il faut partir en vacances si c'est prévu, et puis c'est tout. Enfin, parce qu'il faut quand même qu'on sorte, on ne peut pas rester enfermé toute sa vie, hein. C'est pas possible. Hein.